Ouais. Mets ta roue avant, même si tu la fixes pas, mais juste tu la mets, comme ça soutient ton vélo. Bah, à la limite, le camion peut le mettre en ouvreur. Normalement, c'est fléché. Le point de ralliement, enfin voilà, on joint. Les gants, on les récupère tout ce soir, sauf si. Attends, on a pas du tout ? Non ? Ah, bah oui, alors. Ouais, mais. Ah, si, avec les trucs FDJ alors. D'accord ? Ouais, c'est bon. On peut déjà commencer la sélection. Alors ce matin pour moi c'était beaucoup de stress puisque c'était la première étape suite à une année de travail sur ce projet. On a eu le plaisir de se regrouper avec les filles de Normandie et les filles de Bretagne qui sont venues se joindre à nous pour faire un magnifique peloton de 30 filles. Donc ça c'était impressionnant, c'était pour moi beaucoup de plaisir de se retrouver et de partager du cyclisme féminin ensemble pour 3 semaines de Tour de France. Merci Claire et bon tour. Merci. Vous avez vos casques à manger, les vélos sont prêts. Oui maman. Allez c'est bon, on y va. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai commencé le vélo. Je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de filles. Et comme j'ai voilà, un côté un peu militant, ça a été la bonne occasion. Voilà, le côté, il y a peu de femmes qui font du vélo, donc on va essayer justement de combattre ça et de permettre à un maximum de femmes de s'intéresser au vélo et peut-être de faire du vélo. Donc on a eu cette idée du tour au féminin, puisque le Tour de France féminin n'existe plus depuis la fin des années 80. Et on s'est dit pourquoi pas recréer un peu notre tour féminin en faisant le tour un jour avant. Tout le monde a ses bidons avec un peu de produit. Bah oui, mais toi, il y a plus de Ah, mais ça, oh la vache. Hier, ça t'a suffi pour toute la journée. J'ai mangé tout ça chez moi. On est un groupe de filles qui fait le Tour de France, du coup, un jour avant les hommes. Le but, c'est montrer que le cyclisme féminin existe, quelle que soit la pratique, compétition, loisir. C'est ça l'idée, mettre en valeur les femmes un jour avant les pros, mais profiter de la médiatisation des pros. À force de partager sur les réseaux sociaux, on a réussi à avoir plein de gens qui venaient nous soutenir sur les étapes et pédaler à nos côtés. Cette année, le groupe a grossi. C'est ça qui est génial. Le fait de faire le Tour de France un jour avant, ça permet de bénéficier des spectateurs qui sont déjà présents. Toute la logistique du tour qui est en train de se mettre en place avec une sorte de communauté du J-1. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on entende parler de cyclisme féminin. Si on fait ça de manière déconnectée, ça n'a plus d'intérêt. On a un groupe de filles, on a fait la même chose l'année dernière. Le même, tout pareil. Donc on va se voir tous les jours. Tous les jours. On vous fera des coucous comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est la carte avec. Donnons des ailes. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça a toujours été important de mettre en avant les filles sportives, justement, parce que j'en ai un peu souffert. Moi, ce que j'aimerais, c'est que filles sportives, ça devienne la généralité. Que toutes les filles puissent être sportives sans qu'on les regarde ou qu'on les montre du doigt. Une fille sportive, c'est une fille qui n'a pas froid aux yeux, qui ne se met pas de barrière et qui choisit la pratique qu'elle a envie. Du moment que ça lui fait plaisir, pas de limite, que ce soit réservé aux garçons, soi-disant, ou pas. Peu importe, faut juste aller vers ce qu'on aime et puis se donner à fond, que ce soit pour la compétition ou le loisir, peu importe. L'important, c'est de pratiquer sans avoir peur
de casser les clichés. Non, je pense pas qu'on soit un peu plus masculine que les autres, pas du tout. Mais peut-être que dans l'effort, on est plus jolie. Hein. Avec l'œil qui pétille, l'envie d'aller au bout et le sourire, c'est une autre façon d'être féminine. Je sais pas, le sport c'est fait pour les filles aussi, non? C'est pas que pour les garçons, hein. La preuve. Hein. Il y a des garçons qui n'aiment pas du tout le sport non plus. Donc. C'est cool de pouvoir trouver des filles motivées par la même passion, qui ont envie de montrer qu'on peut faire tout à fait comme les hommes, sans subir, pas les moqueries, mais les remarques un peu sexistes, genre faut être que, être belle, sans être performante. Je pense qu'on peut tout à fait l'être. Quand tu es dans un groupe, je disais, de garçons, ils te disent « Oh mais il y a une fille, on va rouler à deux à l'heure, hein. » Donc ils font tout pour te larguer. Pour moi, c'est une marque de sexisme. Voilà. Donc, c'est bien quand t'es en forme, c'est pas trop mon cas, mais quand tu peux leur mettre une mine, ça les calme un peu, quoi. Mais voilà, c'est dommage d'avoir besoin de faire ça pour prouver que une femme, elle est capable de faire du vélo. Puis en 10 km, enfin 11 presque, et 7. Et puis après, ça arrête plus de monter et descendre. 19 km le tour Malif. Arrivé à un stade, faut pas que je dise la vérité, sinon ça sert à rien. Après, je pédale plus. 9h08 de vélo, 182 km et environ 20 de moyenne pour une étape de montagne, c'est logique. Vous pensez que les flécheurs sont passés? Ah bah ça va être facile à voir, Claire. On va le savoir. Leur camion est là. D'accord, et bah je lance le circuit alors. L'aventure du Tour de France, quand on est cycliste, c'est un peu le rêve de toute personne qui fait du vélo, c'est de faire le Tour de France. Pour moi, c'est un défi personnel, peut-être aussi une sorte de revanche, mais en tout cas, me prouver que je suis capable d'aller loin dans l'effort. J'ai besoin de ça. Je pense que c'est quand même bien de montrer que les femmes, on est capable de le faire, de faire cet exploit-là, de faire le Tour de France. Le cyclisme féminin, contrairement à d'autres sports, est très peu médiatisé. Et il y a beaucoup d'hommes. C'est vrai qu'il n'y a que 9% de femmes dans la fédération. Donc c'est très très peu. Les filles qui ont envie de se mettre au vélo, qui ont envie de faire du sport et qui leur semble que le vélo n'est pas à portée de main. Moi, je leur dis signez, hein, si elles ont envie de faire du vélo, allez-y. Now, now, now.
chahute bien, ça rigole bien le soir et le matin. Sur le vélo aussi, on arrive à rigoler. Il y a vraiment un bon esprit. On s'est rencontrés, ça fait un an exactement. Et c'est une année de ma vie qui a changé ma vie complètement. C'est pour ça que je parlais d'aventure humaine, parce que c'est des rencontres et voilà, qu'on n'oublie pas, des affinités, comme je disais, qui se créent. Donc c'est super. C'est super. On s'entend bien, enfin, franchement on se régale, on rigole bien. Il y a une bonne ambiance. C'est ça, à partir du moment où on est à la mairie du 8e. Sandwich de Alex sans gluten. Oh. Et numéro 2. Au bout de l'avenue de la Grande Armée, ici, là, sur la droite, on s'arrête. Arrivée, notre belle arrivée, voilà, tant mérité, tant attendu. Je crois qu'on a plus de 40 000 mètres de dénivelé, 45 000 mètres de dénivelé, et qui se termine par une petite étape entre Chantilly et Paris d'à peu près 60 km, avec énormément de monde autour de nous, donc 90 personnes qui ont roulé avec nous. Je pense qu'on est toutes un peu dans l'euphorie, je sais pas si on réalise vraiment ce qui se passe. Chaque année, on se dit « Oh, on le fait encore une année de plus et puis on verra après. » Et en fait, une fois fini, une fois passé les champs, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer, de se relancer dans les préparatifs de l'année prochaine. Le but, c'est de continuer à faire parler encore des filles, du cyclisme, du sport et de mettre le plus de lumière possible sur le projet et sur le cyclisme au féminin. Ce serait la perfection. Et puis de voir tous ces gens qu'on a réussi à fédérer autour du projet, qui nous accompagnent, qui nous félicitent, qui nous applaudissent et qui s'identifient, qui ont... Voilà, envie de faire du vélo, notamment des femmes qui ne s'intéressent pas forcément au cyclisme, mais qui là se mettent à s'intéresser au cyclisme parce qu'elles s'identifient à nous. Ça, c'est ce qu'on cherchait, c'est une belle réussite. Alors, c'est dur. Pas du tout ce que tu veux dire. Oh, ça pleut. Regarde, comment ça pourrait être difficile. Non, mais alors, bilan. Pour l'arrivée, c'est que ça. Bilan, c'est déjà fini et on y retomberait bien du coup. Oui, on peut les mais aider, avec quelques nuits de sommeil d'action. Trois semaines de vacances, ils sont là-dedans. Très difficile de faire le Tour de France et de manger tous les kilomètres. Donc là, je suis complètement ébahie par ce qu'elles ont fait et il faut que ça continue.